Tant qu'il y a viewer, le soutien est ouf ici en tout cas. Allez, putain, c'est fou comme on peut être premier sur Twitch et dernier dans la game quoi. Pas de commentaires comme ça. Quel cartouche. En fait, la bonne pression, quel cartouche. C'est vraiment le Laurent Baffy de Twitch, hein, Xari. C'est un sniper. Hein, il s'arrête jamais, celui-ci. Hein, il s'arrête un vrai sniper. Oh, vous êtes si beau, coach, en plus. Bon, un suceur aussi. Ah oui, oui, ouais, ça. C'est mon deuxième prénom, gros. Mon middle name. Je l'ai reconnu tout de suite, hein, Luc. C'est moi, coach. Bon, ça commence à me péter les couilles, là. Je suis là pour vous aider. Si vous êtes imposteur, dites-moi. C'était bien le blond sur toi. Oh, ça me parle de glitch. Peut-être un petit switch NA into. On a into Europe. Je reçois. T'es bien d'accord? C'est bien Europe depuis tout à l'heure. Hein. Oh, par contre. Ah, mais je peux faire demander. Mais d'accord. Mais vous êtes pas en Asie. D'accord. T'es en Asie, oui, depuis tout à l'heure. D'accord. Ça revient. Donnez de la force à Domingo, bien sûr. Ouais, donnez de la ce fort, ouais. Ah, j'avoue. Oh, le logout, le logout qui est passé. Ah mais merci pour toute cette ce fort. Allez, je lance. Mais bravo coach, ce fort est là. Ça y est, let's go messieurs dames pour la première game de cette journée. Let's go. Nouvelle map Among Us. Ciao belle. Non, me dis pas. Putain. Moula Sakibala. Oh, je découvre la map. Oh, qui c'est que je vais. Qui est le premier mec qui va découvrir qu'en fait je vais juste fumer sa mère. Sabotage direct. C'est bloqué ici. Je vois pas un man. Je pense qu'il faut vent. Hein. Oh, c'est trop beau, coach. Oh, le coach. Oh, première game plaisir pour Domingo. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Oh oui, oh, la game plaisir pour Dodo. Oh là là, directement, première game et première baise. Oh, le Dodo, directement dans le rewind. C'est un massacre. Oh, et bah c'était énorme. Ouais, c'est un massacre, mais en même temps on connaît pas la map, c'est impossible. Mais oui, de en fait, de je pense que les imposteurs vont beaucoup gagner, on connaît pas la map et tout ça. Alors je vais mettre un cooldown beaucoup plus élevé pour les imposteurs. Je pense parce que sinon ça va vraiment pas être. J'ai le temps de faire une mission, de faire un. C'est très dur pour les crewmates parce que personne ne découvre les cadavres. C'était vraiment super. Alors attends. Moi j'ai fumé tout le monde. Ah ouais, il y avait qu'une strat, hein, c'était découper tout le monde. Ouais, t'inquiète, on a eu la même. 35 secondes de kill cooldown au lieu de 22,5. Ok, exactement. Je pense que c'est honnête parce que. Je suis désolé, gros, c'était pour le clip, coach. Il y a plein d'endroits isolés et tout, il vaut mieux, je pense. J'ai un record de kill sur Among Us. Moi, je suis mort, mais seconde 1, quoi. Énorme. Ouais, là, à peu près la même. Mais ouais, c'est pour ça que c'est vrai que, bah, avec plus de. C'est pour ça qu'il faudra plus de joueurs. Il faut retrouver les bons réglages. Mais je pense qu'en mettant plus de temps. J'écoute juste la réaction de PA. Attendez. Vas-y, flemme, frère, flemme. C'est Xari, je te hais. C'est toujours lui qui me tue, c'est toujours lui qui me fait passer les pires soirées, c'est censé être mon ami ce mec. C'est pas une vie. Bon, quel du coup, plaisir. 1.25. Oh, quel plaisir ta réaction PA à... sur le kill, quel plaisir. Jamais à 1, vas-y. Imposteur vision à 1, ok. Ouais, ouais. Bon, voilà, du coup, ce qui a changé, c'est imposteur vision à 1 au lieu d'être à 1.5. Ou 1.25, pardon. Et le kill cooldown est passé à 35 secondes au lieu de 22.5.
Et en fait, le fait qu'on spawn tous différemment, en fait, c'est ouais, j'allais le dire. Ouais, c'est ça, en fait, il y a trois spawns, mais c'est même pas, t'as même pas tout le temps les trois mêmes. Bah ouais, c'est ça. Allez, je pense que là, honnêtement, s'il y a une game crewmate qui gagne, c'est GG. Hein. Bah, on va voir. T'inquiète, la prochaine. Bon courage à tous. Allez, bon courage, bonne game, amusez-vous. Et surtout, vous avez rentré. Gardez le sourire. Ouais, ciao. Bon. Il y a toujours les. J'ai vu sur le clip de PA, du coup, qu'il y avait la mission des burgers là. Mais gros, ça fait peur, hein. Des gros guns. Quoi ? Oh, les lights, putain. Ah bah c'est le burger. Alors, attends. Ok, oui, d'accord. Donc, pain. Burger, oignon, pain. Attends, mais cette tasse-là, en vrai, elle est pas si facile. Non mais là gros tu tues ici, non mais gros. Mais ils l'ont testé la map les devs là parce que. Après c'est, je pense que c'est normal, c'est juste qu'on est tellement habitué à connaître les maps que. Qu'on se dit ça va être trop dur et tout parce que personne passe jamais là mais. Oh là là, j'ai vu la personne partir, oh, mais j'ai pas vu qui c'était. Par contre, PA, le coach, il passe pas une bonne soirée. Par contre, ça serait bien si on avait la map sous les yeux pour savoir le nom des endroits et tout. Je crois que je vais l'ouvrir. Après, le nom des endroits pop en dessous de ton écran, mais c'est vrai que c'est compliqué de. Ouais. Moi, j'étais avec Bagheera presque tout du long, voilà. Ouais. J'étais avec Gomar, moi. J'ai croisé Gomar à un moment. Il y avait GDG aussi. Alors, nous, on est au niveau des douches. Je sais pas comment la map. Il y a une grande salle avec plein de douches où il y a des. Mais je vous ai croisé, Gomar, t'étais avec Zulu pendant. Enfin, je vous ai croisé à une porte à un moment. Oui, j'arrivais pas à vous la claquer. Je t'ai pas vu, moi. C'est avec qui que j'étais à la fin. C'est Zulu, ça à toute c'est, fin, ouais, c'est moi. Ulti a posté la map. En gros, il y a le corps tout en haut de la salle des douches de Domingo. Et en fait, j'ai vu la personne partir prendre la porte, mais je n'ai pas vu qui c'était. Donc voilà, toutes les infos que j'ai. Moi, je me suis lavé, j'ai réparé la douche. Et voilà. Attends, le corps il est dans les douches. Tu t'es lavé, t'as réparé ouais, la il douche. Est tout en haut. En fait, ouais, dans attends, les douches, tu peux monter. Enfin, tu peux monter avec des vestiaires, ça des casiers, faux, je hein, sais pas trop lavé quoi. Avant et le corps réparé. Est là. Bah, attends, il y a plusieurs endroits douche. Non, il y a que. Vous étiez pas ultra ensemble, Zulu et Gomar. Checkez la map sur Discord. Ulti a mis la map. On était ensemble genre pendant 5 secondes au moment de la porte. Ou d'ailleurs, c'est toi qui as dû ouvrir la porte parce que moi, j'arrivais pas à avec la carte. J'étais avec Zulu. J'étais avec Zulu sur la toute fin, d'ailleurs, t'avais le même problème que moi, tu réfléchissais pour savoir si on pouvait passer de l'autre côté, c'est ça? Exactement. Ouais, voilà, pareil. Et bref, moi je suis restée dans les douches, et après je suis remontée, parce qu'il y a un petit espace en haut à gauche, et j'ai vu le corps, et j'ai vu la personne partir à gauche, et je n'ai pas vu qui c'était. J'ai pas vu le pseudo. Ok. Bah vous étiez où, vous autres? Et ce n'est pas moi, en fait c'est très simple, vu que personne connaît l'émission, je vois pas comment. Bah là j'ai la carte sur le côté, je vois Shower, et moi je descends, moi en fait j'arrivais à Electrical au moment où il y a eu le report. Donc au sud du truc. Et t'as dit que la personne partait vers où? Vers le nord? En bas à gauche de la. On s'est croisé. Exactement, on s'est croisé, Antoine, on a ouvert la porte. Et bah, elle était là. Bah, vous êtes... vers la... Où êtes-vous en fait, vous autres? Où es-tu, Rivenzy? Moi, je suis. Je suis Kitchen. J'arrivais Security là pour le coup. Rivenzy, je l'ai vu à un moment. Attends, ouais, Rivenzy, t'étais au tout début Kitchen. T'es pas Kitchen maintenant? Ah si, mais les tâches sont tellement longues que moi. Ouais, mais moi je viens d'y passer, je t'ai pas vu, Xari, tu l'as vu là? Non, pas à l'instant, je l'ai vu au début, après, mais c'était. Après, c'est étrange parce que moi j'étais à Vault et ensuite je suis descendue à Engine pour aller à Armory. Enfin, c'est là où il y a les. Comment les vous guns. Savez où c'est, tous ces. D'accord. On a la map sur le Discord. Ouais, d'accord, on peut l'ouvrir, hein. Oui, vous pouvez regarder. Bien sûr. Et du coup, j'ai pas croisé Xari et Bagheera en revanche, alors que j'étais là où il y a les armes et tout. Mais après, je suis repassée. Non, parce que nous, on était d'abord Kitchen, non, ensuite View Vendek, et après, on est arrivé à Armory. Ouais, et là, on vient d'arriver à Armory. Ah oui, donc moi, je suis arrivée par le nord. L'assassin est en dessous de Main Hall, dans le couloir là. Vous voyez la Showers? Et moi, ce qui m'a choqué, il y a un petit espace entre Records et Showers là. Et bah, c'est là que le corps est. Tu n'as pas parlé. Je t'aurais recroisé à Kitchen. Bah non, mais j'étais security pour le coup, donc voilà, moi je t'ai pas vu. Mais c'est parce que t'as dit. Skip. On skip, mais pas si sur Rive du coup. Moi j'ai voté Rive. Non, bah attendez. T'as voté Rive, tiens. Il a rien dit, Rive, hein, de toute la game. Oh là là!
Non mais oh là là, oh. Et oh là là, écoute, et c'est juste... Donc yolo. Là on est sur des problèmes de localisation, on met direct des pastilles alors qu'on connaît pas sur la map quoi. Ok, okay. Mais grosse pastille quand même du coup sur toi Rivenzy. Ok super. Bah, apparemment. Bah, je sais pas, okay, j'ai pas voté pour le coup. Bah, j'esquipe. Ouais j'étais en train de mettre la ceinture BPM et la ceinture BPM je dois mettre à poil donc c'est pour ça que j'étais pas là. Bref, tac. Je sais pas si elle marche là, je crois qu'elle marche. Hein. Light et tout, mes couilles, ouais. Et merci pour l'abonnement. Ma maman. Ça dépasse 99, on verra pas. Si, si, on verra. Oh non mais attends, tu téléportes, tu télécharges là, il faut re-télécharger là après, quel enfer. Oh les lights, ça va être un enfer. Hein. Agite un peu toi pour voir. Non mais c'est sûr en fait, genre. Je suis absolument certain qu'on verra donc. Si on voit pas, gros, je file 10 subs. C'est quoi la carte? De toute façon, ça dépassera jamais parce que je suis un génie. Et merci pour l'abonnement, ma maman. Merci Tommy. Et merci pour le sab. Ma maman. Et merci pour l'abonnement, ma maman. On peut pas passer là. Oh bonne mère. Personne fixe les lights, tout le monde s'en fout. C'est bon. Et ça va être il faut vraiment leur donner plus d'avantages, je pense. C'est chaud. Hein. Je pense qu'il faut mettre moins de tâches, peut-être. Ouais, moins mais de tâches. La map n'est pas prévue pour 15 personnes à la base, sauf que c'est pas possible. Vous voulez pas essayer de trouver deux personnes sinon pour essayer de. On peut pas faire rentrer autant de gens. Non, on peut pas. Pour le moment, on peut pas. C'est très max pour ça, quoi. Il y a marqué. Ils ont dit que les lobbies ça push à. Ouais, mais je crois que c'est pas mal. Sinon, on met un seul imposteur. Ah, j'avoue, un impôt. Ah, j'avoue. Ah, un impôt, ouais. Ah, si, si, j'avoue, ouais. C'est pas encore un impôt. Ouais, mais au moins, c'est vraiment dur pour c'est les trouver. C'est la panique en fait. Par contre. Ouais. On essaie. Ah, vas-y, go, ça peut être sympa. Après, ouais, c'est en fait, c'est tellement après, gros. En plus, le truc, c'est que on sait pas du tout où vont les ventes. Donc, même s'il y a un seul imposteur, tu peux pas dire oh, je suis passé par là et tout. Tu t'as juste à dire oh, bah, il y avait un raccourci. Et personne peut te dire ah bon, je suis pas sûr. Parce qu'on fait pas. On retient, il y avait un raccourci, on retient. Ah, mais attends, je crois que imposteur, c'est. Ah non, ah si. Imposteur, c'était pas un truc que je faisais quand je créais la map. Oh non. Si, je crois que c'est... Ah si, ouais. Bah, sinon, tant pis, on fait autre chose. Enfin, on met. Non, mais met juste moins de tasks. Là, il y a beaucoup voilà, de tasks. C'est hein. Ça. Ok, moins de tasks. Je réduis de 1 à chaque fois. En fait, c'est surtout Kata parce que vraiment, on connaît zéro la map. Donc, en vrai, quand on la connaîtra déjà un petit peu. Mais là, en fait, je suis pas mort. Hein, moi, en fait, je sais pas. Là, c'est des courses. Enfin, c'est des parties. On est en train de moi, j'ai même pas fait encore le tour. Hein. Moi non. Mais le kill cooldown au pire à 1000. On a gagné. Pourtant, j'étais en mode n'importe quoi. Je tuais au pif. Je mets 40 secondes de kill cooldown cette fois. Mais genre, en vrai, le truc, c'est que je pense qu'on va jamais gagner les chromettes quasiment. Enfin, c'est chaud quoi. On découvre la map quoi. Ouais, c'est ça. Après, il faut qu'on trouve les bons paramètres et puis. De toute façon, c'est du training. Le vrai match, les gars, c'est demain. 0,75 aussi. Ouais, c'est ça. Oui, ok. Oui, non, clairement. Il faut l'augmenter un peu la combinaison. Là, on s'entraîne, tranquille. Il faut tester. Et effectivement, je vais peut-être augmenter le speed parce que quelqu'un me dit augmente la vitesse, ça permet de couvrir plus rapidement plus de terrain. Et je suis d'accord avec ça. Ouais. Bah ouais, de ouf. Attends, c'est où? Surtout que c'est vraiment gigantesque. Et je pense comment, que c'est je mets à 1,5 là. Je t'avoue, j'ai fait toute la partie avec la map ouverte. J'ai pas du tout fait toute la map encore. Putain, on va tailler le 5. Let's go! Ah ouais, la vitesse est incroyable. Ouais, c'est le top, les gars, là, c'est lourd. Tout le monde est prêt? Déjà vous. On est sous speed là. Léa, t'es prêt? Ouais, c'est bon, pardon. Ah oui! Avec les 40 secondes de cooldown? Ah oui, là ça va. Ah oui, ça va. Voilà, j'ai donné beaucoup d'avantages au crewmate. Ouais, on teste, on verra, on ajuste de toute façon. C'est un peu relou quoi, les nerfs de Riot quoi. C'est un peu trop violent. Ok, let's go. Bon, bah bonne game à tous. Merci, super Zulu, merci. Allez. Imposteur, attention, les BPM qui montent là, regardez. Allez, je dépasse les 120 là. Le cooldown de base, il est tout petit quoi. Je vais te fumer.
Ah, en bas, je croyais qu'on voyait pas. On voit du coup. J'essaie de mettre mon corps dans une situation de stress, les gars. Un cousin, c'est pas cool. Non, Donc c'est PA qui reporte du coup, très bien. Ouais, c'est moi qui reporte, mon pote, je cherchais les lights. C'est vrai que je me disais que ça pourrait être sympa quand t'ouvres la map. T'ouvres la map de savoir où c'est les points de light à justement aller chercher. Non, j'allais aller, attendez, je vous dis, j'ouvre la map à gauche. En bas à gauche, vers Armory, Viewing Deck là. Et j'ai trouvé dans la kitchen, du coup, en passant d'Armory à Kitchen. Dans la kitchen. Moi j'ai la cuisine. La cocina, en fonction des gens. Mais j'ai juste vu Ponce au tout début avec qui j'ai spawn un engine. C'est le seul. Oui, moi après j'étais tout seul tout au début. Je suis allé à gauche, instant. Je te vote, voilà. Ok. Voilà pour alors, moi, j'en dirai pas plus. Mais bah, moi j'ai plus JDG toilette. Mais alors attends, qu'il aurait le temps d'aller jusqu'à côté. Alors j'étais effectivement toilette et je peux même dire. Attendez, j'attends, je me fais accuser. Je me fais accuser dans le vide, je peux me défendre ou pas avant? Oui, défends-toi. Est-ce que non, je te le rappelle, tous les. Mais quand même, avant qu'on passe à autre chose. Enfin, je veux dire, je comprends pas en fait du coup ce qui m'accuse, PA. J'ai pas trop compris à part le fait qu'on est le seul mec que j'ai vu. C'est un peu du. Je crois qu'il m'a pas vu parce qu'il y a les lights, les gars. Je crois. Mais moi, de toute façon, je dis rien. What, c'est ok. Bon bah ouais, mais en général on propose des votes vite comme ça quand on est imposteur. Ouais, mais après je pense pas qu'il aurait, enfin s'il était vraiment imposteur, je pense pas qu'il aurait auto-report vu la physionomie de cette game. Et tout le monde de, a l'air d'être en feu, je suis vraiment le con quand même. Ah oui, putain, Harry, j'ai même pas vu en plus. Après ça a plutôt d'être un 50-50 quoi pour le coup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront passés par là potentiellement avec l'event et tout. Avec surtout. Une vente en plus, ouais, c'est ça. Bah moi j'ai voté Ponce, je suis désolé, mais on a pas beaucoup d'éléments, je vote contre toi. Moi je vous ai tout, j'avoue. Ah, je pensais que ça allait être quand même. Ah ouais, je t'ai baisé. Ok, bah GG, mec. Trois games, trois fois le premier. Je t'ai vu, bah c'est toi. Je suis refait. Bah c'est énorme. Premier degré. C'est un plaisir. Allez. Ah ouais, mais là c'est chiant là. On peut pas passer. Attends, c'est quoi ça? C'est les cams. Oh, dans les cams, tu peux voir les cams. Très utile, mais enfin quoi que. Ah, le coup donné tellement long. Sabotage. Electrical, c'est là. Je peux rentrer dans les. Non, maman. Elle est où? C'est mort. Alors. Oh, ça va vite. Xari, t'étais où? Alors attends, je sors la map. J'étais vers les chiottes. Après, je suis redescendu. Est-ce que le canard, il est aux toilettes, justement? Ok. Mais je suis pas arrivé. Alors attends, où aux toilettes? Parce que moi, je suis arrivé. J'étais sur les premières shots, quoi. Mais je sais pas combien c'est y en a. C'est chez les dames. C'est les premières, ouais. Ah, c'est ça Xari, fait du pas coup. Cool, là. Bah ouais, mais ok, d'accord. Mais moi, j'étais aux shots il y a genre 20 secondes, quoi. Donc. Bah, je sais, je t'ai croisé quand t'es redescendu. Et moi, quand je suis remontée, il bah, y avait un cadavre, quoi. C'est où? Ça veut pas forcément dire que c'est toi, mais bon. C'est lounge, c'est les chiottes. Ah, lounge, ok. Moi, je suis allé, j'étais cargo bay, je suis monté aux toilettes, et mais je suis pas allé vers la gauche. De quoi? Parce que moi, j'étais à cargo bay. Moi, je découvre. J'ai croisé Xari qui venait d'en haut, et quand je suis remontée en haut, justement, il y avait un cadavre, quoi. Mais en haut où? Parce que moi, j'ai rien vu. Bah, à lounge, du coup, aux chiottes. Mais à quelle chiotte? Parce que moi j'étais à la première chiotte de lounge, il y a un cadavre. Alors le truc c'est que à gauche. Alors moi je l'ai pas vu. La première chiotte à droite ou à gauche? Parce que moi je suis allé à droite, j'ai ouvert la porte. Mais moi je suis pas venu de là donc. Alors attendez, où sont les cadavres?
Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est vers Shot, mais moi je suis pas allé, je suis pas allé à gauche, je suis allé qu'à droite. Je suis monté, j'ai ouvert une porte de Shot et je suis redescendu après. À gauche, j'ai vu JDG à gauche dans Cockpit, j'ai vu aussi Zulu qui était à Com, qui était le premier à Com d'ailleurs. J'ai vu aussi Bagheera qui était là. Ouais. Donc en vrai, ça réduit la possibilité à soit Ultia qui sait le report, soit Xari, soit PA, parce que... Soit PA. Ouais. Moi j'ai vu... Ah mais en vrai, moi j'ai vu Gomar et Ultia à Electrical, où depuis je suis sur une enquête. Vrai. Je suis sur une quête qui est... Et Gomar est morte. Et Gomar est morte à Lounge. Et du coup, moi je suis toujours à Electrical. Depuis, et moi je suis pas allé jusque, enfin je suis pas allé jusqu'à la gauche de lounge, hein, donc je sais pas, moi j'ai peut-être pas vu, mais j'ai juste ouvert la porte de Shot qui était en face de Cargo Bay, là je regarde la map, genre la première porte de Shot, et après moi je suis redescendu. Mais c'est bizarre, non, pourquoi t'as juste monté là-haut et que t'as pas juste regardé en fait j'ai vu que ça pouvait ouvrir et après j'ai vu Ultia en fait, donc j'ai regardé où elle allait et on était Cargo Bay après, on s'est un peu suivi. Mais y a pas des vents dans les Shot? Bah j'en sais rien, mais moi après moi je suis pas... Ultia ou Xari, j'avoue que là je... Je pense pas qu'Ultia, ça serait très que ce soit Ultia parce qu'Ultia elle est pas trop du genre à celle report en général. Ou Domingo qui a fait droite-gauche hein. Domingo qui moi je suis resté à Electrical, je sais pas à quel point Ultia a pu me voir. Après moi je vois pas du tout où elle... Du coup c'est Xari. Bah du coup je mets ça par Xari moi. Moi je vais passer sur Xari aussi. Ouais je prends Xari. Sinon c'est Ultia ou moi. Allez hop. Allez-y dis par, c'est une partie comme ça. Après ça se déplace, vous étiez à 4 à Cockpit vous? Ouais je pense que ça peut le faire. Oui, tout à fait. Je crois que Xari et Ponce, c'est les premiers à avoir loose en un poste. Ça serait bon. Imagine. Imaginez. C'est la mais reine. Mais c'est Xari qui m'a tué au départ, en fait. Hein. Ciao, les gars. C'est sur Ponce, là. Oh là là. Mais Ponce, gros, Ponce, il s'est fait cancel direct alors qu'il avait rien fait. Genre, tu as battu. Genre, je suis le retour sur Among Us, désolé. Tu as battu, ouais. Mais genre, le vote sur moi, vraiment, moi j'avais rien fait. Hein. J'ai pas bougé, j'ai croisé personne. Ouais, non, mais c'était un vote hasardeux en vrai, c'est parce qu'on avait pas de. Ouais. Ah bah oui. On avait rien en fait. En fait, le fait qu'on soit fait soulever sur les deux games précédentes, du coup, on était hyper à cran et dès qu'il y a eu une propale de vote, je pense que tout le monde. Fais dire tout de suite que t'as été. Non, mais ça change rien. En fait, c'est juste que là, vu qu'on connaît pas la map, il faut juste croiser personne. Quand t'es un imposteur, faut juste croiser personne. Si tu croises personne, personne peut savoir où t'es. T'es en mode, oh bah j'étais là, machin, truc, j'ai pris le raccourci, l'échelle. Là, juste, je suis tombé sur Ultia alors que je pensais qu'il y avait personne dans le coin, c'est tout. Mais il y avait rien de. Ça changeait rien en fait. C'était. Je pouvais dire que j'étais avec Ultia, mais ça a rien changé puisque. Meeting, je sais pas où est le bouton pour le meeting. Il est tout en haut à meeting room. Ah, meeting room tout en haut, ok. Je pense qu'il faut beaucoup plus utiliser l'event pour quand t'es imposteur, parce qu'en fait personne sait où elles vont. Donc tu utilises les full vent en perma et t'es en mode. En gros, tu fais un kill, tu utilises une vent, tu vent à vraiment ultra loin. Et après tu dis, oh mais Domingo, on était ensemble et tout, je suis arrivé du bas. Enfin, personne ne saura jamais d'où tu viens parce qu'ils connaissent pas la map. Enfin, moi non plus, je connais pas la map. Hein, mais je pensais juste qu'il y avait personne, qu'il y allait avoir personne dans le rank. Ah, bah dommage. Bah dis donc, j'ai déjà, pourquoi t'as pris deux fois l'échelle? Parce que je me suis trompé. Allez. Mais. Aïe, 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 quand je viens d'y passer juste avant. Non, arrête, JDG, arrête. Il était pas quand je viens d'y passer juste avant, c'est la vérité. En gros, j'arrive devant l'échelle. Et JDG venait de redescendre. Donc moi, j'essaye de prendre l'échelle. Ah non, mais ça, je confirme, il n'y a pas de problème. Et là, il y a un corps, pile poil devant l'échelle. Je confirme, il n'y a pas de problème. Je vais valider exactement ta version. Parce que j'ai cliqué deux fois sur l'échelle, ça m'a fait remonter direct. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand le kill doit juste. Il vient juste d'être fait dans ce cas-là. Mais c'est impossible parce que sinon, on aurait vu la personne. Parce que vraiment, c'est. Il y a une porte à côté. Zulu, il se gosse, gros. Trouver où est-ce que c'était. Ah, et en fait, j'ai vu le cadavre et je vous ai vu arriver tous les deux sur le Zulu. Il a pas vu qu'il y a qui. Ah, t'as pas vu avant, ah, merde. Non. Après, je sais pas si c'est possible effectivement que quelqu'un ait pu le tuer et partir en courant, mais le laps de temps est tellement court que ben tu redescendais de l'échelle, je suis monté, il était là. Et t'es monté en même temps. D'ailleurs, c'est bizarre que tu sois monté. Moi, je sais pas. Mais ouais, pour moi, c'est toi. Je valide ta version où tu dis exactement ce que j'ai vu aussi.
PA, Zulu, vous avez voté JDG, vous avez scrimé. Je peux rien dire de plus. Je peux rien dire de plus après. Pour le coup, vous pouvez. JDG, parce que j'étais avec Gomard. Je pense que JDG, il aurait dû dire, mais j'étais pas du tout là. D'ailleurs, Domingo, je pense pas qu'ils soient imposteurs parce que je t'ai vu faire des missions. Je pense pas qu'on puisse. Je vous ai vu au cam. La folie d'ailleurs, cette mission. J'ai voté JDG pour l'unique raison. Vas-y. Que t'as un peu rigolé sur ta première sur ta première défaite. Parce qu'évidemment, ça me fait marrer en vrai. Parce que mais bien sûr, je comprends. C'est j'ai rien d'autre à dire. Après, je rappelle que on va très vite au niveau de la vitesse, hein, quand même. J'ai baissé la vitesse. Ouais. Il va faire très mal ce soir. Attention, il voit tout. Hein. Après, c'est possible. Mais moi, par rapport à ce que j'ai vu. Non, mais je comprends. Je comprends. C'est fini. Ouais, les deux imposteurs qui skippent, quoi. Ah, moi, j'ai dit, je vous ai dit. C'est fini pour JDG. En même temps, là c'est juste de la pure déchatte quoi. Hein. Faut pas se mentir. Ah, mais même en fantôme, tu spawns comme ça. Juste de la pure déchatte pour lui, il pouvait rien. Ouais. Je pense qu'il faut aller. On va très vite au niveau des vitesses. Au niveau de tout ce qui est speed, ça va assez rapidement. Bon, par contre, ils se dépêchent, les bouffons. Allez, on remet les coms, là. Qu'est-ce que je disais ouais, il faut... En fait, je pense qu'il faut que... Là, je suis en train de regarder les quêtes. Bah. Ah, découvert le bouton. Il est bon. Je me suis dit que, ok, il s'est rien passé du tout, pardon, je me suis dit que ça pouvait peut-être être une info au fur et à mesure qu'on prenait, mais apparemment il n'y a pas de cadavre. Il est où ? Il n'y a pas de cadavre. J'ai déjà on l'a sorti. C'est très peaceful. Excusez-moi. Très agressif, Riff, pour une ambiance aussi peaceful. Oh, c'est en train d'avancer. Non, je suis hyper détendu là, je suis bien là. Ça m'a pas du tout saoulé là que t'as pris. Non mais désolé du coup. Je t'ai vu passer dans mon écran d'attente, là t'arrives à avancer pendant la partie en fait. What? Ouais, je t'ai vu sous la discussion là. Je t'ai vu passer à la gauche entre les deux. Je pense que c'est un bug. Oui. Moi aussi, mon perso, il a marché tout seul, ouais. Ah oui, parce que c'est un bug quand t'es un pot, quoi. Mais ouais. Qui sait qui a remis les coms il y a environ 10 secondes parce que personne ne le faisait pas. C'est Ponce. Je confirme que c'est Ponce, je l'ai vu faire. Il y a une passerelle qui tourne et qui bouge et impossible de la ramener de l'autre côté. Genre, bah, je vois pas le rapport avec moi qui marche, mais je sais pas. J'aurais pas te dire. C'est un autre sujet. Pardon, trop d'émotion sur cette map. N'hésitez pas à voter skip, bien sûr. Ça peut roll là. Ça va m'excuser là. Ok. Please do your task. Ouais, je disais, je pense que là il faut juste bien repérer les tasks pour pouvoir dire j'ai fait tel task mes couilles. Enfin, j'étais en bas dans la cuisine et j'ai fait les tasks cuisine mes couilles, machin au bord de l'eau. Et pour aller fake quand t'es un poster quoi. Donc il y a une task ici, en cuisine. Il y a une task là, très certainement. Il y a une task là. Et le but c'est imposteur, vent into. Enfin, kill into vent instant quoi. Après, le CD est très haut donc. J'avais pas déjà fait ça ? Non, je me suis fait tuer. Ah non, il y a eu le report. Il y a le report en même temps. Une map pour 14, au moins ça. Bah là on peut être que 10 donc c'est une map pour 10. Ah il faut attendre, ok. J'ai réussi à le choper, ouais, je l'ai eu. Merde, putain, attendez. Mais on doit aller où en fait là? Je sais pas, moi je cherchais tout à gauche, j'étais avec Goma. T'as les flèches sur le truc qui apparaît. Ouais, mais en gros, j'ai fait une flèche. Ça me disait, le côté gauche n'est pas activé. En fait, il faut que les deux codes soient rentrés en même temps. Ouais. En même temps, dans un laps de temps assez proche. T'as un timer en gros. C'est tellement dur.
Ah ouais. C'était un peu comme les deux tours à Paulus où tu dois appuyer en même temps quoi. Ouais, mais là c'est à l'opposé non? Ouais mais... Bah, oui, je pense qu'il y a un moyen d'y arriver. Si j'ai vu qu'il y avait une plateforme mais je sais pas comment l'activer par contre. C'est ça? C'est ça là dont je parlais avant. J'ai pas su comment partir ouais, justement Gomard de là où on était. Du coup moi je suis parti à droite ensuite à côté de Showers là et c'était Main Hall qui avait le cadavre du coup de Reeve. Et c'est vrai que Monsieur Reguman, genre je t'ai vu revenir vers nous, peut-être 10 secondes avant que je parte. Donc c'est vrai, personne que j'ai vu, mais bon. Effectivement, je venais de là. Et t'es pas ah, de là en plus, ok. Bah, enfin en tout cas, je venais de la droite, parce qu'on peut pas arriver par au-dessus. Oui. Je crois, donc je venais de la droite pour voir ce qui se passait. Là, je vous ai vu avec, c'était toi, PA, avec Gomard. Et en fait, quand j'ai voulu checker, en fait, quand vous êtes remonté, il y avait. Et c'est là que j'ai compris ce qu'il fallait faire pour arrêter l'emergency, en fait. Mais bah, j'ai pas vu de cadavre sur mon chemin, je pense que c'est quelqu'un qui est passé derrière moi. Et, le cadavre était où? Main Hall. En gros, ouais, c'est ça. Donc au-dessus d'Electric Hall. Je suis abattu, je viens de comprendre que dans Pokémon Go, il y avait une limite de... Une limite de cadeaux que tu pouvais avoir par jour. Putain. J'ai plein de cadeaux, je peux pas les ouvrir, je suis abattu. Bon, la game, je sais pas ce qui se passe. Hein. Emergency. Mais vu qu'il se passait rien, je me suis dit oula, et que les gens qu'on connaît pas trop et tout, je me suis dit faut aller voir. Et du coup, je suis remonté depuis Security tout en bas en passant par Electrical. J'ai vu Ponce redescendre d'Electrical et à ce moment-là, il y avait Rivanici qui était avec moi et ils sont restés tous les deux à Electrical. Ouais, là, ouais, je suis monté vers Main Hall à ce moment-là et je suis allé, je sais plus où est-ce que c'est, dans Shower, sur Records et Gaproom. Voilà. Attends, what? Je sais même pas de quoi tu parles parce que moi j'ai croisé PA et. Moi j'ai croisé PA et je sais. Mais attends, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi aussi, Antoine. Je suis à Gaproom. Moi, j'ai croisé. Je suis à droite de Gaproom. Bah, moi aussi. J'ai croisé PA et Gomard tout en haut au niveau des chiottes. J'ouvrais les portes. Ouais. Après, j'ai croisé Ultia. Et après, il y a eu l'Emergency. Moi, je suis allé tout en bas et là, je suis en train de faire une quête où c'est pour l'Emergency. Le téléphone doit bouger pour capter quelque chose et DL quelque chose. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai tracé en bas. C'est au centre. En fait, Gaproom, je pense qu'il y a deux accès. C'est-à-dire que nous, avec Gomard, là où on était et là où Antoine nous a rejoint. J'ai pas de strat parce qu'en fait, il y a aucune strat qui va marcher là. Même si je dis, oh bah j'étais sur une veine pour voir la map, je vais voter instant. Pas activé là. Ouais. C'est dur là. Là, ça peut dur de faire du strat là, je pense. Bah ouais, je mettrais. Il va falloir que les gens connaissent un peu mieux la map. C'est qui l'un ou l'autre de lui? Tu régumales ou Ponce? En fait, j'étais en mode ça va être facile de faire des strats, mais en fait, c'est l'inverse. Mais non, mais attendez. Ponce, ça a l'air legit. Donc j'ai croisé PA, je t'ai croisé au niveau des chiottes. Je vote pour Antoine. Moi, je vote pour Antoine aussi, parce qu'Antoine, c'est le plus chelou. Ah bon. L'erreur. Ah bon. Erreur. Ah non, j'ai pas eu le temps de skip. Ah, souvent, quand il y a erreur, c'est lui. Dommage. Et merci pour l'abonnement. Je pense que c'est la fin là. Et bah non. Après, en vrai, les tasks vont assez vite en fantôme. En fait, il y en a peu des tasks en vrai. Et voilà. Ah, il a fini les tasks. Alors, du coup, Shower, ici il y a une. Ici tu peux y aller, ici, ok. Faut checker les vents. Et merci pour il y a une vent là. Maman. Ah là, c'est un endroit, gros, tu tues quelqu'un ici, c'est terminé. Hein. Est-ce qu'il y a une vent vers les chiottes que j'aurais pu utiliser tout à l'heure? Non, mais. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y a une plateforme ici, je pense que tu peux y aller, elle t'emmène ici. Il y a une vente là. Qu'est-ce que ce bruit? Oh. Tranquille, Bagheera? Bagheera vient de kill Ponce sous mes yeux. Ah! Voilà, j'ai rien d'autre à quelque dire. Quelque chose, ouais, quelqu'un. Ah, j'étais pas mute. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. non, mais ouais. Pas de défense. Non. Ouf. Par contre. Bah, c'est win normalement. Par contre, j'ai une question. Ah, bah, bravo aux Zoulous. Par contre, c'est pas de. C'est pas une question. Y a pas de défense. Non, mais par contre, j'ai une réflexion à faire avant. En fait, vous devez. Bah, c'est win. Une réflexion de condamné. C'est terrible parce que tu peux pas faire tasse, il te donne zéro faux stage sur la map. Ah ouais? Ouais, du coup c'est horrible, c'est hyper difficile. Non, c'est
Non, c'est juste qu'il y avait les coms en fait. Je pense, à aucun moment. Je sais que je suis mort, je pense que ça s'est parlé, mais quand j'étais impôt, je pouvais voir les tâches et c'est juste que là, les coms sont sabotés. Les coms bah oui, sabotés, là, je suis sûr, c'est les coms, c'est tout. Je vous parle de toute la partie, ça m'a fait ça. Ah bon ? Ok. Ah ouais, ouais. Moi, je les voyais. Bon, salut, au revoir. En tout cas, c'est moi, tuez-moi avec plaisir. Des bisous. Ok. Bon. C'est vrai que je peux faire la strat de j'invente une task qui n'existe pas. Ça peut être intéressant peut-être. Je vais essayer de trouver ça dans la map. C'était pas moi ? Non. Ouais. Mais oui, mais le truc Antoine, c'est que oui, c'est possible que ce soit pas toi, mais c'était trop genre tu revenais de là. Et oui, bien sûr. Est-ce que je préfère manger ce soupçon de ma tête en vrai. Dites-moi un truc, C'était est-ce que genre ma défense a marché à un quelconque moment ? Non. Tu as eu un doute, mais c'est vrai que le rire. Ouais, moi j'ai eu un doute. Je me suis dit, en vrai, on connaît pas la map avec le speed et tout, c'est possible que quelqu'un ait pu passer. Franchement, j'ai en fait, douté moi, j'ai Vents direct, surtout. Si en jamais... Fait, je suis passé, j'ai Vents et je suis parti. Une coup, info, regardez la carte. Tout en bas, security, vous voyez, il y a une excroissance grise en bas. En fait, c'est un ascenseur qui traverse la map, si jamais. Voilà. Hein alors, c'était un pont vers rien, genre. D'accord, okay. Juste... Du coup, désolé d'avoir dit que c'était direct, j'ai peut-être de la merde. Pour le coup, là, j'étais paumé et bref, voilà. C'est pas grave, parce qu'il y a J'ai une question. Oui. Pour les trucs où il y a des chiffres, les leviers où il y a des chiffres, donc c'est genre soit faut les mettre dans l'ordre ou un truc comme ça, mais ça ouvre quoi en fait, c'est-à-dire débouche les toilettes. Mais je crois que attends, il y a forcément une mission avec les toilettes, donc ça se trouve c'est un vrai truc. Faire ça. Bah, c'est une tâche. Oui. Bah, mais moi je croyais qu'il fallait un par un, c'est ça. Oui. Ah mais putain, c'est ça très, la tâche. Très longue, hein. Elle est très très. Moi, longue. Ah mais non, mais moi j'ai mis une minute à sortir une poubelle moi donc. Ah mais merde, j'ai levé le même levier en boucle. Moi aussi, moi je croyais qu'il fallait full le levier. Il faut prendre par l'élastique orange. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu sais qu'elles sont déjà full galère. En plus, les fectas, quand moi je les voyais du coup pas, je sais pas pourquoi. Vous voulez pas que là on en refait une comme ça, mais vous voulez pas que j'en suis juste, je sais que c'est chiant, mais on relobie, on met un imposteur histoire de voir ce que ça donne. Bah là pour le coup avec les tasques ça a l'air mieux, non? C'est la plus équilibrée, ça a l'air pas mieux comme ça. Après, c'est parce que moi, je suis extrêmement mauvais, je compte pour un demi-imposteur, mais... Non, mais moi, là, je pense qu'on va commencer à appréhender un minimum. J'avoue que là, dès qu'il y a quelqu'un qui est moi, je connais déjà toutes les chelou, poses, hein. On vote, quoi, donc... C'est bon, allez, je lance. Allez. Mais ouais, c'est vrai, effectivement, il va falloir qu'on s'habitue un peu à la map. Pour l'instant, j'ai un peu de mal. Bonne chance. Bon, ça, tu chance. La chance n'a rien à voir avec ça. Bon, alors, on va faire une fausse task... Ici, il y a forcément une task à un moment, non? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher? Ah, tu peux pas refermer? Ah, ça se referme tout seul au bout d'un moment. Il y a l'air d'avoir une task ici, ou alors Zulu est vraiment trop fort. Mais là par contre, t'as un imposteur, tu tues un mec ici, c'est terminé hein. Attendez, les portes... Security, c'est horrible. Faut tout refaire là les portes, si jamais ça gong pendant. Non, je crois que tu poses qu'on doit tout refaire là. Ah oui, je crois que tu dois tout refaire. Ta longue, là où on était en train de faire là, tu veux dire. Attends, mais du coup, moi j'étais à un côté, il est où le côté du code? Je vais me laver les mains. Où est le cadavre, Fred? Alors, le cadavre est. Alors, attends, laisse-moi. C'est dans les douches. Attends, ouais, c'est à côté de l'électrical, si j'ai pas de bêtises. C'est la porte quand tu remontes de l'électrical vers Main Hall, exactement, je crois. Ok. D'accord. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Regarde, hein. Elle est juste là. Bah, c'est là où je l'ai vécu la première fois, mais c'est la partie d'avant, quoi. D'accord. Ok. Ça doit être toi. Bah, moi, j'étais à la gap room sur le truc de gauche, en train de faire l'emergency de gauche. J'attendais que celui de droite soit fait pour que ce soit synchronisé. Okay. Moi, j'attendais la passerelle là à côté. Et aussi, oui, effectivement, hein. Je t'ai vu avec moi, Bagheera, sur la fin, effectivement, à prendre la passerelle. J'ai croisé Bertrand. Du coup, j'ai effectivement vu Antoine. Moi, j'étais avec Ponce en bas. Ulfia, au niveau moment de l'emergency, t'es parti. Je t'ai croisé à Armory avec. Attendez, on a un truc là. Ulfia est morte. Ulfia est morte. Putain. On a un truc là, Rivenzi, Ponce. Non, je troll. Si, je l'ai vu. On s'est vu en bas. Ok, dommage. L'angoisse du gars.
Moi j'étais avec Zulu qui était en train de fake task, donc je pense que c'est lui. Ah, mais comment tu sais qu'il fake task? Je sais pas, j'essaie d'avoir sa réaction. Il fake task, galère parce qu'il y a plusieurs possibilités. Non, j'étais avec Zulu, c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas. Alors, moi, je sais pas si t'étais avec moi, parce que j'étais en train de faire la task. J'ai vu effectivement quelqu'un passer. Je pensais que c'était quelqu'un avec un perso clair, mais. Rose, je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, peut-être. Non, mais gros, j'étais là tout le temps à te regarder, faire ton truc avec ton code, là, je sais pas quoi. Moi j'ai rien vu, hein. Vraiment. Pareil, moi j'ai juste croisé Rib. C'est trop loin. Ça va être très rapide, Antoine, en fait. J'ai spawn à la cuisine. Bon, ça doit être Gomard. Ça va être très rapide. J'ai spawné cuisine, j'ai fait ma mission avec la cassette et je suis resté 48 000 secondes dessus parce que j'avais pas compris que c'était le temps qui. Enfin, vraiment, 48 000, c'est plus qu'une game. En vrai, j'y crois pas trop. Bah, Gomard, ouais, moi je pas. Mais t'as dit 48 000, j'y crois pas trop. Sur ça, je pense qu'on doit t'accuser, quoi. Eh ouais, 48 000, c'est beaucoup retenez plus que la durée d'une game. 48 secondes, ça fait 13h,3. Ma défense était nulle, j'ai rien vu, le temps. 13h, c'est beaucoup. 13h, ça fait beaucoup, quand même. 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. C'est impossible, Gomard, ce que tu dis. Les mecs sont vraiment trop pas. Tout le monde a voté. Non. Ah, merci. Oh, les imposteurs qui ont sauté sur l'occasion. Bah, j'ai clairement sauté dessus. 48 000. C'est toi, Zulu. Je te connais comme ma poche, gros. Non, c'est pas moi. Je te connais comme ma poche, gros. Comme ma poche. Je pense que c'est Riff, peut-être, hein. Ah, ok, je viens de comprendre. Non, mais y'a pas un truc là pour sauter là de là à là? Oh, quel enfer! C'est un cauchemar là cet endroit. Fix light. Attends, mais fix light c'est pas electrical ça, c'est déjà ça n'a pas de sens ça, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Ok, c'est bon. Reveal code. Je suis con, mais je comprends pas. Et merci pour l'abonnement, ma maman. Ok. Ça me sert pour autre chose, je pense. Incompris. Bah, c'était pas Gomard, hein, du coup. Ouais, c'était pas moi. Alors, je suis désolé, c'est juste que Zulu, au moment où j'ai croisé, en fait, je crois que c'était Rivenzi et Zulu qui étaient dans les toilettes. Ouais. Et au moment où je suis arrivé, Zulu, il s'est retourné, il m'a couru après pendant genre bien 5-6 secondes avant de changer, parce que je suppose qu'il a vu que son timer était pas up, mais c'est juste, ça m'a fait flipper, je me suis dit que j'allais quand même report ça avant de cette information, avant de mourir, voilà. Ah, okay. En vrai, quelqu'un qui court vers, il courait vers toi, c'est ça? Ouais, c'est genre vraiment, je suis arrivé, il a changé de direction, il m'a collé, il était sur moi, genre en mode frénétique. Ok. C'est des choses qui peuvent arriver. Ok. Alors t'as le droit de reporter ce genre de truc, y a aucun problème, mais je vais t'expliquer. C'est juste au moment où on s'est vu devant les lounges. Et c'est la première fois que je passais devant cet endroit de la map, et juste j'ai vu qu'on pouvait ouvrir les portes. Donc je me suis amusé à tout ouvrir pour voir s'il y avait effectivement des vents ou ce genre de trucs, quoi. En vrai, j'ai fait pareil la game précédente. J'y crois. Mais pourquoi tu m'as couru après? Ouais. Ouais, mais parce que j'ai ouvert dans le sens inverse, en fait. Vu que j'étais déjà passé devant toutes les chiottes, j'ai refait. Moi, j'ai pas parce te mentir. J'avais déjà ouvert de droite à gauche, et puis que ensuite je suis passé, tu t'es dit que t'allais les ouvrir de gauche à droite pour voir ce que non, ça mais en vrai, JDG, je pense pas que ce soit Zulu parce que sur le tout premier truc, il y a eu 2 kills et Zulu il était tout à droite et il est resté toute la game avec moi et je l'ai pas vu faire un kill, donc je pense mais que ça pourrait être vous deux, non? Ah bah j'avoue, c'est soit nous deux, soit c'est pas ça lui, pourrait, mais c'est clairement pas lui. Je pense que c'est pas lui et c'est pas moi du coup, donc. Non mais d'ailleurs, je t'ai couru après, mais je t'ai pas tué, t'as bien vu. Donc, oui, mais l'un dans l'autre. Est-ce que quelqu'un se souvient qui a voté très tard lors du dernier tour, ceux qui ont un peu sauté sur l'occasion de Gomard? Non, j'ai voté Gomard direct, vraiment. J'ai pas fait gaffe. Moi, je sais que je suis le premier à avoir voté Gomard, mais après, ça veut absolument rien dire parce que je pense pas que ce soit elle et du coup, j'ai un peu fait de la merde, mais c'était rigolo. Okay, moi, j'aime bien suivre, vous me connaissez. Ah bah, c'est sûr que c'est pas elle puisqu'elle est morte, hein, donc.
Oui, non, c'est mais justement, bah du coup, il y en a qui ont profité, mais. Pour essayer de la bah, descendre. Moi, ouais, je skip, je voulais juste vous livrer cette information. Petite pastille sur Zulu ou. Bah, non, zéro, vraiment zéro pastille sur Zulu. Par contre, Ivenzi, le fait que tu l'attaques. Attendez, qui a croisé Gomar pour la dernière fois? Non, je l'ai pas croisé. J'ai pas croisé, mais. Mais pastillez-moi si vous voulez, hein. Non, moi je fais cette pastille en votant pour toi, mec. Je pastille tout le monde. Je pastille. Je pastille. Réguman. D'accord. Mon Réguman. Non, Zulu, c'est sûr que c'est pas lui, parce que. Sur le premier. En fait, il faut pas oublier qu'il y a le CD, il est de 40 secondes. Donc il aurait pas pu tuer. Ah, quoique, vu que le premier CD, il est plus court, peut-être, mais. Honnêtement, si c'est lui, c'est vraiment un génie du jeu, mais. Putain, je comprends rien, comment on va là-bas? Obligé de faire le tour, quel enfer. Attends, c'est qui ça? Ivenzi? Bizarre. J'ai envie de me déplacer qu'à deux. Et merci pour l'abonnement, ma maman. J'ai quelques drops. J'ai pas de drop moi, c'est trop bizarre ça. Je sais pas pourquoi des fois ça bug, mais j'ai aucun drop moi sur mon Twitch, enfin sur mon au max bitrate et tout, donc je sais pas d'où ça vient. Mais attends, il y a un autre truc là. Ok. Oh. Attends, je le vois pas. Ok, le noir. Je fais ça d'abord. Oh non. Ok. J'ai même pas trop fait gaffe à ce que c'était. Ah si, je sais où c'est. Alors. Dis donc, Antoine, tu vas vachement vite, je trouve, hein. Comment ça, je vais vachement vite? Ouais, bah en fait, c'est-à-dire que c'est à dire qu'il y a un moment, je te croise dans une pièce, je vais direct à la suivante, t'es déjà devant moi. Bah, je sais pas, en tout cas, t'as. Il avance quoi. Juste avant et il est mort donc il est pas. Il est où, il est où le corps? Donc le cadavre de Ponce, et vous voyez dans le main hall au centre, t'as trois petites pièces, enfin t'as trois petites pièces au-dessus. Il est dans la première des trois petites pièces. Attends, je vais me remettre la map. Non, attends, vas-y, répète. Il est dans la pièce qui est. Vous voyez main hall au centre? Ouais. Et vous voyez, il y a trois petites pièces au-dessus. Il est dans la petite pièce tout à droite au-dessus de main hall. D'accord, je l'avais croisé. Je l'avais croisé avec Zari, Ponce. Ouais, mais c'était il y a quelques temps déjà. Ouais, qui était sur la gauche? Qui était sur la gauche de la map? Moi j'étais à droite. Non, moi j'étais à gauche à un moment donné, ouais. J'étais à gauche. Personne allait au com, faire les coms et tout le monde s'en foutait en fait. Bon, moi j'ai pas fait les coms en tout cas. En fait, je sais pas où sont les coms, du coup j'ai pas fait les coms. Moi je suis monté à Meeting Room faire une mission, je suis redescendu, j'ai pris le Gap Room. J'ai croisé Rivenzi à Gap Room. Ouais. Et à Records, j'ai croisé. Non, le c'était début de Steph, c'est un moment Gap Room, ouais, pour le coup, hein, qu'on s'est vu. Mais je trouve rien, moi, c'est terrible. Parce que toi, du coup, t'es resté Antoine niveau de Gap Room, Records, Je suis à Records, tu sais, j'ai fait le truc où il faut prendre les dossiers et les ranger un par un, tu sais, là. Moi, j'ai une info parce que moi, j'ai trouvé un autre cadavre, les amis. J'ai trouvé le cadavre de Zulu, mais je l'ai pas report parce que j'étais en train de faire une mission, j'avais la flemme de la cancel. Enfin, je voulais la faire avant, quoi. Et du coup, il y avait un cadavre dans les coms, justement. Ok. Dans les Zulu. Mais ils sont où les coms exactement? Mort. Ah, ils sont à gauche. Ils sont à gauche de la map. Alors là, je suis vraiment allé jamais. Je suis pas passé, moi. Moi, j'étais vers. Bah, j'ai déjà, tu m'as vu là. Ouais. Où ça? Quand? Bah, là, on était au même endroit, à droite, vers Electric Wall. Je t'ai peut-être croisé, je sais pas. Ouais. Bah, on est juste en face. Genre, on vient d'ouvrir la porte. Là, on est dans la merde, hein. Je vais pas vous mentir qu'il faut voter, hein. Moi, je le truc, c'est qu'il y a deux impôts, c'est sûr. Non, c'est que j'ai croisé juste à droite de la main. Moi, Xari, je pense pas parce qu'il a innocenté Zulu juste avant qui. N'est pas un poster du coup, c'est la preuve. Ah oui, non, mais Zulu, c'était sûr que c'était pas lui. Après, c'est dit, t'aurais pu tuer Zulu à l'instant et Self Report, c'est que personne n'est à gauche à part toi, Xavier. Non, mais Self Report, mais Zulu, enfin, c'est toi qui a report, moi j'ai rien report du tout. Hein. Après, le truc, c'est que je pense que s'il avait vu Zulu, en fait, en gros, tu vois, il aurait pas dit, oh, j'ai vu Zulu, mais je l'ai pas report, tu vois, pour le coup.
Tu vois, je pense qu'il aurait pas dit ça. Moi, je sais pas. Ouais. Je sais que Reeve était un petit peu tatillon sur Zulu tout à l'heure, mais j'ai pas vraiment d'infos en vrai. Mais Bagara, tu dis que t'es à droite, mais JDG t'as pas vu, c'est ça? Ouais, moi non plus, si, je l'ai pas vu, j'étais à droite, donc c'est un peu bizarre. On a vraiment pile en face avec JDG, je viens d'ouvrir une porte, je sais plus exactement laquelle, et en face, il y avait JDG. Je t'ai pas vu, mais peut-être que je faisais pas attention. Moi, le seul que j'ai vu, c'est JDG et Ponce. Et milieu aussi, quoi, mais. Moi, je dirais Xari, Anton. Okay. Et qui s'accuse en mode genre on se couvre mutuellement pour le Moi j'accuse pas du tout Antoine donc. On se couvre pas du tout. Moi je dirais Reeve mais pour le round d'avant sur ce round là je sais pas, je vais voter Reeve. Non, non, vous êtes sérieux? Je vais voter Antoine moi. Ok, non, c'est une erreur. Ah bah c'est la fin, c'est loose. On a éjecté personne? Non, non, c'est fini, c'est perdu. Il faut courir là les mecs. Il faut run parce qu'en vrai les tasks sont presque finies. Moi j'ai fini mes tasks donc runnez, courez, courez, courez. Ah oh bordel, vite vite vite. Je pense que c'est Reeve et je sais pas qui. JDG, je pense pas. Ah ça peut être JDG parce qu'il est avec Ponce. Je pense pas que ce soit Antoine. Ça peut être Bagara, mais Bagara, je sais pas si elle fait la fausse, j'y comprends rien quoi. Oh non, Oh non mais les tasses sont pas du tout finies, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai menti. Oh non mais je comprends rien où c'est. Oh lolo. Oulolo. Pas trop. Là, dès qu'il y a un kill, c'est fini, donc c'est mort. Il est où le bouton? Il est où le bouton? Oh, dommage. On a été à chier, putain. Ouais, trop fort, Bagara qui fait les deux, le dernier kill. T'as bien joué. Oh, et puis le moment où j'allais appuyer sur le bouton, quoi. Ouais, j'étais pas. Moi, j'étais pas trop sur JDG, j'étais plus sur Reeve, mais c'est dur après sur le dernier. C'est pour ça. Sur le dernier round, c'est impossible de savoir, quoi. Ouais. Reeve qui me tue au com. Petite pause pipi. Vas-y, vas-y. Reeve qui me tue au com. Et au meeting juste après, il fait « Ah, moi, j'ai pas fait les coms, je sais pas où c'est. » Très bon feeling, Fred, sur Xari et moi, là, Mais bon d'ailleurs, feeling, les coms, on peut les faire quand on est mort. Non, je crois. Non, tu peux pas faire Elec, tu peux pas faire... Moi, j'ai réussi à faire les coms l'autre fois, quand j'étais mort. Ouais, moi... Ah non, je crois pas. Moi aussi, je savais pas. Bah si, j'avais le truc pour... Bah non, sinon... Mais non, mais sinon, c'est trop facile. Non, non, parce que les dossiers au cam, du coup... Sinon, les fantômes, ils campent les... Après, c'est quand même très bizarre, parce que là, moi, j'étais encore vers les coms et tout. Je les ai pas enlevés, mais elles se sont enlevées toutes seules. En tout cas, merci pour la vidéo YouTube, c'est cool. Je sais pas si j'ai peut-être pas activé le truc. En fait, je cherchais le bouton moi pour voter, pour tenter de voter un mec, parce qu'en fait sinon on avait perdu. Non, mais ouais, mais ça c'est dommage parce que du coup on sait pas où il est, tu vois. Bah maintenant je sais où il est parce que j'ai vu qu'Antoine Daniel il avait la même idée que moi donc. Mais vraiment à deux secondes vous y étiez, mais. Ouais, on y était pas loin, il fallait voter quelqu'un d'autre, je pense. Mais bon. Mais d'ailleurs, juste avant, Reeve était devant le bouton pour buzzer là. Ouais. Et vous avez tardé à arriver et il est descendu. Et je pense que si vous étiez arrivé au moment où il était en haut, parce que clairement, je pense que dans tête de Reeve, tu me diras si je me trompe, hein, t'attendais qu'un mec vienne buzzer pour le kill et juste win. Sur les coms, tu veux dire? Ouais. Ah non, non. Non, pas sur les coms, sur le bouton, sur le bazar. Meeting room. Je savais pas où c'était le bouton meeting room. Donc, d'accord. Bah, tu l'as pas fait. T'étais devant, c'était dans la grande salle de réunion avec la table longue. Ah, est-ce que Bagara t'es revenu? C'était pas fait exprès. Ah, Bagara qui va nous faire. Ouais, c'est bon, je suis là. Le petit pips. Allez, Bagara. J'ai couru. Pour vous. Plus ça avance, plus je commence à m'habituer à la gentille. Quoi. Ouais. Y a combien sur l'équipe de France là, les gars? Les gars qui regardent un peu le match, est-ce que c'est un match de merde ou pas? Zéro, mais attends, mais on est à chier à ce point-là, gros. 0-0 contre la Bosnie, hein. C'est ça, c'est la Bosnie? Mais c'est hallucinant, comment on peut pas... Enfin, même le FC Silmi met des buts contre la Bosnie, gros. C'est pas fini encore. Je comprends pas ce truc, hein. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un amical, c'est pas un truc pour la Coupe du Monde. Oh non. Oh là là, le coach, il passe pas une bonne soirée. Alors, oh non, le coach. Cadavre. Trois cadavres au sol, bite sur l'épaule. Sur l'épaule. Cadavre Gaproum.
Bon, par contre, il y a un truc qui est infâme, c'est que là, je suis dans un endroit où il y a du bruit et du coup, il y a le bruit en fond, c'est un enfer. Je comprends mieux Margot maintenant. Ah oui, c'est long la cassette. Ah, elle est horrible la cassette. Tu dois. Voilà. Attendez, là, je. On peut rien faire, on peut pas enlever le son là. Ouais, quel enfer. Bon. Gaproom. Juste à gauche d'archives. Je pense qu'on a fait la même quête au début, Zoulou, vu qu'on faisait des allers-retours entre le centre et les biblios. Et ensuite, au moment où ça a cut l'électricité, moi je suis parti à droite, direction lounge et cargo bay. Et tu dis que le truc est à Gaproom, c'est ça, à gauche de Ricard? À gauche, ouais. Et bah, moi j'ai pas trop fait gaffe à si j'ai vu quelqu'un partir par là, c'est dit au départ. Moi j'ai spawn avec Domingo, mais on s'est direct. Enfin, c'est le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on s'est séparé directement. J'ai été vers Electric Hall. Et là, je voulais check les caméras et ça a buzzé. J'ai spawn seul à Kitchen et voilà, il y avait personne. Non, moi, j'étais à Kitchen, mais j'ai spawn un peu plus tard. Du coup, j'ai. Ah ouais. À Cargo Bay, je pense que je ne vais faire qu'une seule, quête. J'ai même pas eu le temps de faire ma quête, moi, donc. Pas moi non plus, j'ai ma cassette. Ok. Donc, on est d'accord que personne n'a remis les lumières en attendant là. Non. J'ai même pas vu que les lumières étaient éteintes, j'étais dans une quête. En vrai, on sait. Donc, du coup, on a juste le cadavre d'OPA, c'est ça? Donc, celui. Ouais. Ouais, on sait pas où est Morpons. Ok, moi, j'ai. Juste bah, où êtes-vous, Ultia, toi t'es où? Quelqu'un a vu Ponce ou pas? Moi je suis fait je suis arrivée à Brig, ouais. J'ai monté les escaliers jusqu'à Meeting Room et là je suis à droite de Meeting Room. D'accord. Attends Zulu, tu peux redire exactement où est le cadavre, pardon? Gap Room, juste à gauche de Record. En fait le truc c'est que là vu que c'est un double kill, ça veut dire que ça innocente tous ceux qui sont pas dans le coin de Gap Room. Moi je suis pas du tout là Kitchen. Mais attends, les deux cadavres étaient ensemble à Gap Room? Ah ouais, j'en ai vu qu'un, moi. Ah, t'en as vu qu'un? Il me semble ah, donc que... c'était peut-être pas un doublé. Non, c'est pas spécialement un doublé. Je me permets de le dire quand même. Il me semble, pour avoir été un poster lors de la dernière game, qu'il y a une vent Gap Room, pas loin de Gap Room. Donc, ça, la thèse de ça innocente ceux qui sont pas qui sont en coin. Ouais, enfin, moi, je suis Armory, gros. Je pense pas que la vent, elle a jusque là-bas. Impossible. Moi, là, j'étais au moment du report, moi, j'étais à Lounge, tout à droite, et j'allais arriver à Cargo Bay pour remettre les lights. Quelqu'un peut le confirmer? Qui peut confirmer qui est ensemble en fait là? Qui s'est vu? Moi j'étais ensemble avec Zulu. On était ensemble avec Zulu au départ à Record. On a fait, je pense, la même quête comme j'ai dit au départ. Et ensuite je suis parti tout seul parce que les lights se sont éteintes. Et c'est tout. J'ai vu personne d'autre. Moi j'étais à Com. Voilà, donc du coup, il n'y avait personne et il faisait noir. Donc du coup, j'ai vu personne. Ok. Et ben voilà. Allez. Xari, tu veux dire? Moi je suis. Je suis à côté de Kitchen, le truc s'appelle Viewing Deck. T'es tout en haut de Meeting Room à droite? Tout à droite, ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Donc t'es pas si loin? Oh, les gars, je me shoot à la lingette là, ça sent tellement bon. Allez, je vais voter Ultia. Oh, pardon, oh, c'est fort sa mère! Quoi, Gommette de Rivenzy? Non, c'est pas moi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je jure, bon, en vrai, si, j'avoue. Ouais, ah, c'est toi, Rive? Non, c'est pas moi. Pas du tout. Ok. Je crois que je vais faire un petit que bois la vache arrive là parce que je le sens pas trop. Bon, je suis toujours Kitchen. Ah non, c'est bon, j'avais validé la quête. Attends, mais il y a plusieurs endroits pour remettre les lights en fait. J'ai l'impression que ça clignote de partout, mais en fait, tu peux le mettre au Kitchen. Ah, ça c'est pas mal par contre, du coup. Attends, je suis bien mute, je crois. Sinon, il m'aurait dit de toute façon. Alors, Cam. Oh, en vrai, tu peux tellement faire des dingueries avec Cam. Puisque personne sait où sont les Cam. Ah ouais, je vais faire ça. Je pense que si je suis gentil, je pense que je reste au cam. J'essaye de voir des gens au cam. En train de tuer. Par contre, qu'est-ce qu'il fout, Bagheera, là? Par contre, je sais pas où c'est. Vault, tout ça, là. Meeting Room, je vois où c'est. Cargo Bay, je vois où c'est. Record, je vois pas trop. Vault, c'est cockpit, ça, c'est le cockpit. Rouge, c'est qui rouge? J'ai croisé personne. Alors... Alors là, c'est soit Bagheera, soit Rivenzy, hein, je vous le dis direct. Alors moi, je suis en train de faire les lights, moi. Pourquoi, Xari? Parce que j'étais avec les deux et Gomard, donc il y a genre 10 secondes. J'ai croisé Rivenzy et Gomard pas plus tard qu'il y a 20 secondes ensemble. Exactement. Oui, non, c'est soit Bagheera, soit Rivenzy, c'est sûr. En fait, le truc, c'est que j'ai vu Bagheera passer juste à côté de moi. Et en fait, en continuant, du coup, j'ai vu le cadavre. Et du coup, j'ai. Ah non. Alors, s'il fait ça, c'est Rivenzy. Parce que moi, je suis en train de remettre les lights. Il y avait tout qui était en bas, je suis en train de les remettre. Et j'ai passé tout le temps à faire ma cassette. J'ai juste eu. En fait, les lights sont éteintes et je suis partie alors, pour faire les lights. Attendez, remettre les lights. Où est-ce? En fait, il y a plusieurs trois endroits différents. Trois endroits différents, d'accord. Sur le coup, je serais. À Viewing Deck.
c'est ça? Ouais, sur le coup, mais je serais plus... C'est moi qui suis là au light en train de les remettre, t'es pas à la bagarre. Non, bien sûr. Mais tu peux pas la voir, il y a les lights. Endroits différents. Moi-même, je suis en train de remettre les lights, là, actuellement. Vous pouvez pas voir, vous y allez light. Comment ça? Non, bien sûr, Baguera, je suis dessus, là, actuellement. Et moi aussi, je suis dessus. Il y avait les quatre qui étaient en bas quand je suis arrivée dessus. Les quatre étaient tous en bas et du coup là je suis en train de les remettre. À viewing deck, donc en près du ponton ou de dehors là. Mais tu pouvais pas la voir vu que les lights étaient fermés, donc comment tu peux dire qu'elle était pas là en fait, je comprends pas. Bah ouais, surtout si t'es ouverte sur les lights, tu m'aurais pas fait, je comprends pas. C'est, du coup, non mais moi il y a un truc, il y a un truc qui me fait plutôt pencher vers Baguera, c'est que vraiment, elle, moi j'étais au cam, j'étais au cam et je l'ai vue au cam parce que là il y a une cam dans les cams. Et je l'ai vue au cam en train de rien faire pendant littéralement une minute, donc je sais, je suppose que c'était. Soit j'étais sur la cassette. Oui, bah c'est ce que je dis, c'est pour ça, je dis que moi je te crois plus toi que Rivenzi. Moi je pense que c'est Rivenzi. Bah parce que attendez, parce que Baguera elle a une. Je la vois passer à côté de moi et je vois, il y a un cadavre. Moi, non mais moi je parle là, je parle pas. Ça peut être Rive et Ulcha du coup. Et moi je pense que Ulcha a l'air de. Parce que je me serais pas mis dans la scène. Mais moi je parle pas, enfin j'analyse pas les paroles. J'analyse juste les actes. Tu m'aurais de toute façon pas vu en fait. En fait le truc des actes c'est que moi je fais mes trucs, je fais mes portes là, après je vais refaire. Non j'avais pas le truc ouvert. Et après bah je croise Baguera et après il y a le cadavre juste à côté. Bah oui j'ai les portes. Non mais d'accord, non mais en fait là moi je prends pas en compte tes actes à toi, je prends en compte que les actes de Baguera et de ce qu'elle a fait. Elle me semblait être en train de faire une quête qui était un peu casse-couille que j'ai faite, que je connais. Je pense que c'est Rivenzi aussi, parce que c'est la personne que j'aime le moins. Vas-y, c'est juste que voilà, c'est... On est l'erreur. Sur la méta... Alors là, par contre, Rivenzi, on te connaît quand même un peu. Deuxième vidéo YouTube, Rivenzi. Mais non, mais je vous jure, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai, bref. C'est serré en tout cas. Tendu. C'est serré en tout cas. Je rappelle qu'avec Baguera, on ne s'est pas vu. Oui, mais c'est normal, il n'y avait pas les lights. Comment tu peux la voir? Est-ce que t'inventes? Qu'est-ce qu'il y a, Xari? Il n'y a pas les lights. Je croyais que vous étiez en train de les remettre, donc c'est normal que tu la vois pas. Ah oui. Genre, ça me paraît. Enfin bref. Je sais pas. Genre, moi, je juge que les faits. Hein. Je juge pas les actes. Enfin non, je juge que les actes. Je juge pas les faits. Je juge pas les hommes. Enfin bref, vous avez compris. Bref. Peut-être tort. Mais de toute façon, c'est sûr que c'est un des deux. Donc au pire, on fumera l'autre. Parce que c'est pas moi. Après, ça aurait pu être moi. Mais vu que c'est pas moi. Peut-être qu'un des deux. Ça ! Faut pas que je crie, putain, j'ai oublié ça. 22h, ça va, 22h, il casse pas les couilles non plus, quoi. Je vais aller fumer Zoulou. Je vais aller faire semblant de le zouler, de le fumer. Donc là c'est pas cockpit en fait. Je pense pas que ce soit Zoulou. Mmh. Attends, vraiment tu viens de voir un corps là? Qui? Mais je te viens Zoulou, je viens de te quitter. Maman. Ah, attends, Zoulou est mute. Tout le monde est mute. Non, je suis là. Zoulou, allô, on tue. Ah merde, pardon, je suis vraiment désolé, depuis tout à l'heure je parle. En mute. J'ai vu un corps vert. On est d'accord que quand il y a un cadavre, on voit pas son costume, on voit juste sa couleur. Oui. Ouais. Okay. Bon, j'ai vu le cadavre de JDG à Engine Room, si je dis pas de bêtises. T'as eu le temps de descendre. On dit Engine. Bah, à Engine Room, voilà. Zoul, t'es un des boss. Juste après, il y a Xari qui est arrivé et ça peut pas être Baguera parce que ouais, Baguera était meeting room. On s'est croisé meeting room. De toute façon, je te fais un peu confiance, Zoulou. J'ai beaucoup traîné avec toi au fil de la game. Pour moi, c'est un moment où t'as eu l'occasion de me kill. Pas te mentir que ça peut pas être moi non plus parce que j'étais juste derrière Zoulou. Donc, je suis à lounge. Donc, du coup, comment on fume Ulcha, on a gagné. C'est sûr. Non, bah non, Zoulou, puisque c'est pas moi. Moi, je crois. Bah oui, je bah crois, merci. Mais en fait, c'est pas Réguban, c'est pas Baguera, c'est pas Xari, c'est pas moi. Ulcha, tout à l'heure, t'as défendu Rivenzi. T'as voulu défendre Rivenzi au moment où Xari a dit soit c'est Rivenzi, soit c'est Baguera. Et là, t'as commencé à accuser Baguera. Moi, je suis persuadé de l'innocence de Zoulou. Attends, est-ce que je peux m'exprimer? En tout cas, 90%. Vas-y, parce qu'il y a encore 3 votes. Pourquoi j'ai accusé Baguera? Déjà, j'ai pas défendu Rivenzi, j'ai accusé Baguera. Pourquoi j'ai accusé Baguera? Parce que j'étais dehors en train de capter le réseau et qu'il y avait pas du tout les lights. Tu m'as dit que tu étais vraiment dessus. Non, tu m'as dit que tu étais vraiment dessus et t'as commencé à changer ta version. Et donc, du coup, je suis arrivée.
Non, non. Je suis arrivée à Viewing Deck. Du coup, je me suis mise sur les lights. Et au moment de le faire, ça a sonné. Et en fait, moi, je n'ai pas vu Bagheera. Et en fait, j'ai un peu en mode, mais c'est pas possible. Je ne l'ai pas vu alors qu'on est au même endroit. Je l'ai cramé, nani, nana. Et en fait, quand Xari a dit, mais en fait, tu ne l'as pas vu parce qu'il n'y avait pas les lights, j'ai fait, ah, mais oui, d'accord, ok, oui, c'est mais pour il ça. L'a dit plusieurs fois. Donc, hein. Je pense t'as que pas c'est... vraiment dit ça, Ultia. À la fin, tu non, soutenais encore pas, que tu la voyais pas. Non, je ne l'avais pas entendu. Ah, je ne la vois pas. Hein. Ah, je la vois tout pas. Tout ce qu'on sait, quand, c'est que. Quand j'ai demandé... c'est pas moi. Quand j'ai demandé à quand Xari a dit ben voilà il y avait pas les lights, c'est là que j'ai dit ah oh. D'accord et du coup j'ai changé ma version, enfin c'était après quoi, c'était trop tard, c'était au round d'après. Donc là perso je suis dans les chiottes en train de déboucher les toilettes de gauche, voilà. Mais est-ce que Antoine lui fait confiance, on est d'accord? Les autres, je sais pas. Pourquoi en fait, moi, je fais confiance à personne à part Zoulou. Hein. Je demande justement. Moi, je fais confiance à personne à part Zoulou aussi. Vraiment, Zoulou pour moi. Moi, je fais confiance à Zoulou aussi. Bah, quasi sûr. Non, mais Zoulou, mais. Bah, du coup, c'est Antoine. Je te fais tellement confiance, Zoulou, que je te vous remercier. Mais juste rapidement. Soit c'est Bagheera qui a fait le kill très tôt avant de monter Meeting Room, soit c'est Ultia. Et vu que j'avais déjà un doute sur Ultia, je suis désolé, t'as une belle défense, mais. Après, il y a aussi. Je suis innocente, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied là. Il y a aussi Antoine Daniel qui est monté à Meeting Room, je tiens à dire. Moi, j'ai voté Antoine. Oui, j'étais le premier à monter, j'ai fait ma coche. Ah là là, quelle erreur. On éjecte Antoine le prochain. C'est pas moi. Dommage pour vous. Mais non. On reste juste avec Zoulou, c'est bon. Dommage. Après, je pense qu'elle s'est tuée elle-même. Elle était trop en mode de... il faut tuer Bagheera et tout. C'est quoi, je vais jouer la méta. Je vais jouer la méta. Oui. Ouais, re. Allô. Allô. Ouais. Je vais jouer la méta, les amis, sur ce call. Ouais. J'ai confiance à 100% en Zoulou. Zoulou, c'est un frère. Si son personnage a une bite, je serais déjà à genoux. Et je pense pas que Bagheera et Rivenzi se soient insultés, enfin tu sais, se soient auto-accusés alors qu'ils connaissent pas la map encore. Donc si je joue la pure méta. Attends, on est sûr à 100% que c'était Rivenzi parce que là en fait on a éjecté Ultia et en moi, fait. C'est sûr que c'est Rivenzi. C'est sûr que c'est Rivenzi. On a éjecté deux personnes, le truc. C'était sûr que c'était soit Rivenzi, soit Bagheera. Donc c'était Ultia qui était pas bonne. Bah moi je pense que c'est Ultia qui était pas bonne. Moi je pense que c'est toi. En jouant la méta, je pense que c'est toi. Moi mais... je pense que c'est Antoine. Moi j'ai dit si on éjecte Ultia et que c'est pas elle, c'est que c'est Antoine. Alors je pense clairement que c'est une erreur. Je pense que. Alors je vais vous dire ce que je pense. Moi dans tous les cas, Zoulou, je l'ai. Enfin pour moi, je l'ai innocenté dès le départ, quasiment dès tour 1, etc. J'aurais eu pas grand intérêt. Après, c'est aussi la bonne poire, tu vois. C'est genre. Oui, d'accord. Si tu veux. Mais ensuite, le truc c'est que Xari t'a sauté sur l'occasion pour dire que Zoulou était full innocent. Non, mais parce plus, que je suis resté. Ta... Mais ouais, je mais je suis resté avec lui en fait, c'est pour ça. Et là, ça te fait un kill gratos en fait de report, Xari. Le truc. C'est qu'en fait, Zoulou, moi je suis sûr à 95% qu'il est innocent. Il a innocenté Bagheera. Et bah, pour moi, la seule personne un peu qui reste, c'est toi, Xari. Trace entre vous deux, quoi. Bah oui, bah, sauf que moi que j'ai. Sauf que Bagheera si t'es gentil, ouais, j'étais ton avocat, donc ouais, c'est impossible moi, c'est que ce soit moi, enfin genre. Mais pourquoi c'est... Mais Bagheera, tu votes trop vite. Non, mais c'est pas... Je dis juste que si Bagheera, elle est gentille, elle sait avant, que moi je suis pas méchant, c'est impossible. Je l'ai dit avant, moi j'ai dit, je pense que si c'est pas Ultia, je vais. Ah, il vous a mis dans la poche. Ah non, mais vraiment. Oh, c'est bien joué. Zouzou, t'es là ou t'es mute? Il est mute. Non, non, je suis là, mais je réfléchis parce que du coup, vous avez eu tous les deux. Cette manie de me mettre justement dans votre poche, quoi. Mais Régumane mais le qui m'a dit c'est non, que mais moi Zoulou, j'avais une raison pote, de te ouais. mettre dans ma poche, Zoulou, en fait. Moi, je joue juste la pure méta, gros. C'est... Mais dès le départ, en fait, on a fait la même quête. J'ai aucune vraie preuve. C'est juste. Il m'aurait pas innocenté, Xari, en fait. Parce que du coup, moi, il y a tout qui poussait, qui tendait à. Il t'aurait innocenté pour te mettre dans sa poche et pouvoir m'accuser. Et résultat, t'as voté pour moi. Résultat, t'as voté pour moi, Bagheera. Immédiatement. Genre même, il reste 60 secondes, t'as déjà voté pour moi, quoi. Bah... Oui, parce que moi, je vois toujours vite, déjà, tu... Voilà. Après, et le truc, c'est que vraiment, moi... J'ai dit que c'était pas Ultia, je pensais que c'était Antoine. En fait, le truc, c'est que le kill sur Gomar, c'était sûr à 100% que c'était soit Rive, soit Bagheera. Et ouais. Bagheera, elle le sait si elle est gentille ou pas, donc si elle vote pour... Enfin, tu vois, Après, je sais que ça se tient, mais de toute façon, c'est soit toi, soit moi, du coup, dans ce cas de figure. Ah oui, pour moi, c'est... En plus, il avait soutenu, parce que pour le coup, il y avait Ultia et... Enfin, qui pensait que c'était pas mal non plus, et du coup... Moi, j'ai voté Ultia pour le dernier, il y a... C'est sur moi sans souci, en fait. Mais je suis même pas sûr que Rivenzi... Si vous dites que Rivenzi, c'était sûr, moi, ça m'étonne, du coup. C'est sûr à 100%, parce que il a tué... Parce que... Quand j'étais meeting room, il me semble qu'il y a quelqu'un entre Xari et toi qui est revenu vers moi pour me checker. Moi, c'est moi. Moi, je suis revenu et j'ai fait un aller-retour, moi. Moi, j'ai descendu l'échelle, je t'ai vu monter. Tu as pris sa version ou pas? Mais il a pas vu.
Moi, je vote pour Antoine parce que. Moi, j'ai voté Xavier. Je vote pour Antoine. Oh non. Je vote pour Antoine. Parce que. Où est-ce que l'amitié? Parce que si t'es de toute façon, moi je sais que moi, c'est pas moi, donc du je suis coup, sûr que c'est lui. Guman qui a fait le kill. Parce que là, c'est je suis presque sûr que c'est lui, quoi. Ou alors c'est Bagheera qui était en masterclass, mais. Ça serait incroyable, mais non. J'aurais tout tenté. En vrai, close, Antoine. Il y avait sa petite voix d'imposteur, là. Je vous avais dit que c'était pas moi. C'était sûr que c'était Rivenzy parce que. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, genre, les lumières sont éteintes, je kill dans le noir, je crois que c'est Gomar. Ouais, c'est Gomar qui a tué. Et Bagheera, tu passes juste à côté, genre, t'as fait une vieille déviance à Bagheera, et du coup, tu m'as. En fait, Bagheera passe à côté, je suis en mode, oh, let's go, ça se trouve, je peux aussi accuser Bagheera, et du coup, je suis en mode, oh, j'ai vu Bagheera passer à côté du cadavre, et moi, en mode, on voit drift, je suis en mode, oh,